Bon, eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo très simple, très rapide, pour vous montrer comment est la tour sur Minecraft Dungeon. Donc, pour tous les noobs, voilà, cette vidéo est parfaite pour vous. Donc, je vais vous montrer un peu les artefacts à choisir, les bons moves à faire, etc., etc. Hein. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes très nul et que vous n'y arrivez pas. Donc je suis avec Mathéo, je vous l'avais pas dit, lui il n'y arrive pas, donc cette vidéo est aussi pour lui. Ça va Mathéo? Oui, bonjour. Oui, ça va. Ok, donc là par exemple vous arrivez sur l'étage 1. Vous arrivez ici, vous prenez directement le pain et les flèches dans la maison. Ensuite vous spammez les creepers, voilà. Voilà, vous prenez des petits dégâts, c'est pas très grave. Voilà, vous arrivez ici, vous mettez un petit coup, voilà. Vous esquivez, vous temporisez, voilà. Donc on attend un peu. Là, vous mettez un petit coup. Hop, voilà. Pareil. Vous esquivez. Hop, là. On peut y aller. Voilà. Là, on peut y aller. Donc là, on va faire péter le creeper sur eux. Voilà. Bonne strat. Donc, regardez. Hop. Là, on vise le creeper. Hop. Là, vous mettez une flèche chacun. C'est finito. On attend. On wait. On wait long. Oh. Oui, du coup, oui. Donc là, on wait, on attend la potion. Donc là, vous pouvez mettre des flèches par-ci par-là. Là, hop, vous mettez un petit coup, mais vous êtes toujours en mouvement. Hop, vous prenez le saumon, vous waitez. Ensuite, vous mettez des petites flèches. Voilà, vous sautez, vous baladez. Là, hop, ils vont tirer. Vous pouvez tirer. Voilà. Donc on attend la potion. Et là, vous pouvez rusher. Hop, 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 hop. Voilà, on a clear l'étage 1. Ensuite, on va passer à l'étage 2. Donc, l'étage 2, vous prenez l'amulette de peau de fer. Donc, je vous conseille. Le second artefact que vous pouvez prendre, c'est l'os appétissant. Mais je vous conseille surtout, c'est l'amulette. Car ça va beaucoup vous aider tout au long du jeu. Donc, vous allez le garder. Hein? Ok, donc pareil, là vous pouvez faire des petites roulades. Voilà, il va mettre du feu. Pareil, donc là en fait, je vais vous conseiller de focus directement les boss de, enfin les mobs de feu. Voilà, ceux-là c'est les plus chiants. Voilà, on les a clear. On peut tranquillement vider l'étage. Là, vous mettez une petite TNT bien casée au milieu. Voilà, ça va péter. Voilà, hop, là vous spammez. Hop, hop, voilà, on fait une petite roulade. Là, les squelettes, c'est assez simple, hein. Il n'y a pas besoin de forcer. Hop, voilà. Hop, vous mettez une petite flèche pour qu'il les stunt. Hop, voilà. Étage 2 terminé. Bon, si vous êtes au début, que vous devez poursuivre un mob et tout, vous esquivez, enfin c'est très simple quoi, enfin il n'y a rien de compliqué. Ici vous prenez l'arbalète explosif. Donc faites attention, vous n'allez pas avoir beaucoup de flèches, hein. Faites pas les mongols à spammer. Donc moi perso je spamme quasi jamais, sauf cet étage qui est un peu difficile, car vous n'avez pas mon stuff et les mobs sont casse-couilles. Donc là vous attendez, vous voyez. Hop, vous attendez. Hop, hop, vous tankez, vous mettez l'amulette, voilà, vous pouvez tanker. Là, ce qui va être intéressant, c'est de détruire directement les shulker box avec l'arc. Voilà, comme ça, on est tranquille, vous l'évitez pas, vous avez pas de dégâts de chute. Lui, on le poursuit parce qu'il se barre toujours loin, parce qu'il se chie ça. Il se chie dessus, clairement, hein, c'est une grosse merde. Là, on poursuit le petit squelette, hop, petite roulade, petit squelette. Là, on peut vider, voilà. Hop, c'est pas nécessaire, mais voilà. Si vous voulez speedrun comme moi la tour est facilement. Hop. Là, c'est l'erreur à ne pas faire, justement, je voulais vous le montrer. Il faut pas tomber dans l'eau. Voilà, parce que c'est une erreur. Hop, voilà, on a fini. Étage 4, vous prenez rien, un point de compétence, c'est suffisant. Pas besoin de plus. Donc là, vous attendez, vous voyez ce mob là, il est très chiant, donc vous mettez une petite flèche. Hop, vous le spammez. Vous le spammez. Vous spammez. Voilà. Maintenant, c'est très très simple, hein. Il n'y a rien de compliqué dans cet étage. Hop.
Merde, j'ai fait le mauvais move. Mais bon, c'est l'erreur à ne pas faire, je vous montre. Donc franchement, j'utilise pas l'amulette parce que j'en ai pas besoin, voilà. Mais vous, je vous conseille de le faire, hein, parce qu'on n'a pas le même niveau. Hop, vous tapez. Hop, là, ils vont vouloir vous taper avec votre la hache, mais bon, ça ne sert à rien. Voilà, c'est fini. Étage 5. Donc là, vous prenez les champignons explosifs. Très très fort en début de early game. Mid game. Voilà. Là, vous rushez. Là, hop, champignons. Voilà. Comme ça, les creepers n'en parlent plus. Il n'y a pas de difficulté. Là, vous attendez ici. Parce que sinon, ces mobs-là, ils vont se casser à l'autre bout. Là, petite flèche. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer. Hop, petit champignon. Et voilà, pas besoin de forcer. Il manque qui? Il manque personne? Pourquoi il spawn pas là? Ah, wesh, il fait quoi là-bas lui? Bon bah voilà, un bug de ce jeu. Hop, voilà. Hop, vous pouvez aller à la porte. Ensuite, point de compétence. Donc point de compétence, je vous conseille au début de mettre tout dans agrandissement dans l'arbalète. Ensuite, vous prenez poison. Voilà. Bon, là, c'est assez compliqué. Enfin, non, pas du tout, mais bon. Il y a les creepers, vous voyez. Hop, vous mettez le petit champignon. Hop, voilà. Tranquille. Là, il y en a deux. Hop. Voilà. Ils explosent tout seuls. Tranquille, chill. D'accord. Hop, vous les pétez un peu. Vous tapez à l'épée. Voilà. Il n'y a rien de compliqué dans cet étage. C'est assez facile. Donc, voilà. Si vous avez des difficultés... Bah, déconnectez-vous du jeu, hein, clairement, parce que y a rien de plus simple. Hop. Voilà. Hop. Voilà, vous tapez. Même si j'ai pas de vie, on s'en fout, on va régénérer après, c'est pas important. Hop, voilà. On rush. Ici, vous prenez totem de régénération, hyper important. Tout au long de la partie. Donc, c'est les deux artefacts que vous allez garder. Un commentaire à dire, Mathéo? Pour un petit conseil, je sais pas. Hop, ouais, là. Vous pouvez prendre le skill de Julien, très important. Merci. Merci pour ce bon conseil de ta part. Hop, vous pouvez caler les champignons, ça va les dégommer. Cet âge est très simple, hein, c'est l'un des plus simples du jeu. Hop, pareil, champignons. Voilà, ça clean, sale. Hop, petite flèche pour ceux qui veulent rush. Là, ils vont respawn, vous mettez ici. Hop, même si on prend des dégâts, c'est pas grave, on a la potion. Et voilà. Et de toute façon, on va régénérer juste après. On prend l'armure blindée. Hop, on accepte. On a 3 points de compétence, on cale dans la boule de neige. Voilà, important, c'est très cheaté tout au long de la partie. Hop, champignon. Creeper, attention à pas vous faire avoir. Parce que je sais qu'il y a des noobs qui se font avoir souvent. Hop. Pareil, hop, voilà, petit totem lui il se casse à l'autre bout, frère, il se shit dessus, c'est incroyable. Hop, on met la petite TNT qui va dégommer les deux. On tue les piliers, on revient tuer le squelette, champignon. Voilà. Donc, stressez pas, forcez pas, il n'y a rien de compliqué, voilà. Vous voyez, là, c'était une situation où j'aurais pu mourir, mais je ne suis pas mort parce que j'ai pas stressé, j'ai tiré instantanément, voilà. C'est un réflexe, c'est à prendre en main, mais bon, franchement, je l'ai pris en main dès les premières heures du jeu, c'est franchement, il n'y a rien de compliqué. Hop, voilà, on s'en fout que c'est long, on tape, on n'use pas de flèche pour si peu d'HP. Voilà, on a la petite NT, qui fait plaisir pour le boss. Donc le boss, très important, très bon, il n'y a rien d'autre à dire quoi, c'est simple de toute manière, vous allez voir. Donc on arrive ici, on forge sa petite arme. Donc moi personnellement je vous conseille d'améliorer l'armure car l'arbalète on va s'en débarrasser très rapidement. Donc hop, on améliore l'armure, voilà. L'armure. Et on peut y aller, point de compétence, non pas le poison, j'en vois pas l'utilité. On va utiliser pour les cadeaux. Donc les cadeaux, hyper important, quand vous allez boire une potion,
vous allez avoir des consommables à terre, donc ça peut vous sauver la vie, ne négligez pas cet enchantement. Donc là vous voyez, il y a les trois petits bonhommes, là, ils vont invoquer le chaudron magique. Donc ça va être très très simple, ça va aller très très vite, voilà. Donc vous calez votre petit totem, vous calez la TNT pour les mobs qui vont spawner. Et là, c'est très simple, vous, hop, vous décalez parce qu'il y a les flammes bien sûr. Vous spammez, petite compétence de régénération, et vous spammez l'arbalète. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué, champignons, arbalète. Là, ma compétence va partir, donc je vais être dans la merde, mais on attend, on wait. Hop, on wait, petit totem défensif, on wait, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. Petit champignon, on wait, voilà, on spam, on spam, on spam. Voilà, on retrouve sa compétence, on met champignon, voilà. Et il n'y a rien de bien compliqué, les amis. C'est facile, d'accord? Donc, si vous stressez, c'est normal, ça peut arriver les premières heures. Hein. Voilà, je suis un humain comme vous, ça m'est arrivé, vous inquiétez pas. Hop, champignon, on clear. On attend le petit totem de régénération, on clear. Ah, regardez, on a un petit pain, c'est parfait. Champignon, totem, et on respam. On respam, on respam. Voilà, champignon, voilà, et voilà. Franchement, les flèches, ça sert que pour les boss, les gars, donc ne les usez pas. Regardez, je régénère à l'infini sans totem, hein, donc c'est très très simple le jeu. Il n'y a rien de bien compliqué. Là, vous pouvez finir à l'épée, voilà, c'est très simple. Voilà, on a fini. Voilà, étage 10 clear. On peut aller ici, prendre les dagues qui vont vous carrer un peu. Voilà. Ensuite, on améliore tranchant et les abeilles, hyper important. Pour tout le long des étages. On arrive ici, on jette les petits champignons. Hop, 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 on cale 2-3 coups. Hop, hop, hop. Voilà, 2-3 coups. Totem défensif, au cas où si vous perdez un peu trop de vie comme moi. Hop. Là, il y a beaucoup de mobs, donc on fait les champignons, champignons, champignons. Ensuite, totem régénératif, pour pas user de potions pour rien, comme un noob qui la spam. Faut pas faire ça, les gars. Petit TNT. Voilà. Hop. 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 Voilà. On clear. Tout ça, c'est très simple, les amis. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de forcer. Hop. 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 Petit TNT pour l'étage suivant. C'est ce qui est pas mal. Conservez vos TNT, les gars. C'est hyper important. Ça peut vous vraiment vous aider de ouf. Petite abeille qui carie bien. Hop. Voilà. Là, on spam. Petit squelette caché, on va le soulever, hop, voilà. Par là, vous allez me soulever, moi, vas-y, je vous attends. Je vous présente Soul Rider, un noob que voilà, j'aide pour la tout au long du jeu, voilà. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Voilà. Donc, ouais, vous pouvez payer aussi, et je viens... Quoi ? T'es en live ! Et je viendrai vous aider sur vos maps. Par exemple, si vous voulez faire des apocalypse plus 9, ouais, 10, 11, 12. Il n'y a pas de souci. Je vais poster cette vidéo qu'est telle. Donc, t'assumes tes propos maintenant. Hop. Hop, voilà. Étage très simple, les gars. Pas besoin de forcer. Vous rushez. Voilà. Même vous allez dans votre TNT. Hop. Vous posez ici. Hop, ça pète, ça pète. Champignon, totem défensif. Enfin, régénération. Avec moi ! Je suis dans la tour, gros noob. Paye la formation comme tout le monde. Hop, on rush. Voilà, c'est clear. C'est très aise, les gars. Donc, pas besoin de forcer. Donc, faites attention, vous avez 2 tentatives. Enfin, 3 du coup en tout. Hop, vous prenez l'arbalète 90. Ensuite, les mecs qui te mettent une bite dans le cul. Hop, vous prenez ces enchantes là, hyper important, les gars. Ensuite, on voit la vidéo après, hein. Améliorer l'armure. Hop, voilà, chill. Donc là, c'est à partir de là, de toute façon, c'est toujours simple, mais je veux dire, là, c'est encore plus simple qu'avant. Genre, il n'y a aucun effort des devs. Hop. Hop, 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 vous clear, vous clearez, hop. Ah oui, il a inventé un verbe.
Hop, vous tapez. Hop, hop, hop. On perd pas de temps, hein, les gars. On est là pour rush, nous. 14-18, c'était la bonne époque. Hop. 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 Champignon explosif. Ah. Voilà. On force pas, les gars. La boule de neige étourdit les ennemis. Y a pas de soucis. Pas de chouchi, comme diraient les Shintok, là. Hop. Hop. On tape. On tape. Voilà. Petite TNT qui fait plaisir pour le 14e étage. Qui est, je crois, pas compliqué, mais... Attends, on va voir. Bon, là, je vous conseille de prendre de le golem. Je vous conseille de prendre le golem, voilà. Mais pour les pro players, tu sais quoi, je vais vous conseiller le tome des courants ascendants. Voilà, pas besoin de golem ici, on est des pros. Hop, on prend le tome des courants ascendants. Pas besoin de golem. Donc, voilà. Donc, on va tester ça. Voilà, tome des courants ascendants, c'est assez cheaté. Voilà, ça élimine pas mal de mobs. Et j'aurais pas dû prendre ça, les gars, je me suis trompé. Voilà, c'est... Ça arrive, même au meilleur. Hop. Mais c'est pas grave, on est un pro player, on va réussir à gérer. Hein. Y a pas de soucis, y a pas de chouchi. Oh, j'arrive. Voilà, sous le rider, en sa personne, une grosse merde. Voilà, c'est... Voilà, y a même pas de mots pour définir cet être humain. Hop, on fait péter le petit zombie. Et voilà, clear. Très simple. 5. Hop, on vient ici. Voilà, c'est une map d'eau, donc pensez à respirer, les Mongols. Hein, faites pas comme un certain Matejinkai. Donc voilà, vous arrivez ici. Vous arrivez ici, vous prenez ça. Voilà, clear, clear, clear. Ouais. Privé. Hop, totem, petite potion. Donc là les gars, je me suis trompé, les gars, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre le golem et du coup je me mange tous les mobs. Mais c'est ça arrive au pro player, hein, c'est un peu pour changer du gameplay de noob. Hop. Je vais te défoncer, tu restes avec Julien, invoque, je t'ai dit de venir en privé, bébou. C'est bon, j'arrive après. Les gars, allez en privé, les gars. Bah c'est bon, tu sais quoi, je te fais la gueule, rien que pour la peine, t'auras... Non, s'il te plaît. Autonne-moi. Non, s'il te plaît. Les gars, ok, donc là on rush. Voilà, hop, on rush. Donc on est au prochain boss, les gars, donc... Pour les noobs, ça va être un peu plus compliqué, donc si vraiment vous n'y arrivez pas, arrêtez là le jeu. Arrêtez là le jeu, les gars, ça sert à rien de forcer. On augmente le tranchant, très simple. Vous arrivez ici, vous prenez... Vous améliorez votre arbalète explosif, voilà. En vrai, au cas où si Julien filme, sachez que tout ce que j'ai dit, ne le prenez pas au premier degré. Faut toujours être second degré dans la... Bah tu sais quoi, je vais juste couper ce moment. Je vais juste couper ce moment. Voilà, donc ici vous arrivez au 17ème étage. C'est vrai quoi, j'aime pas les arabes, mais... Second degré, vous connaissez. Hop, là vous rushez. Voilà, donc... Une anecdote sur moi. Oh, je suis un pro player, c'est très grave. J'étais jeune, j'ai été monocouille. Et du coup, il y a un docteur, il m'a remis ma couille en place. C'est très très grave, je suis vraiment un pro player, les gars, c'est... Pff, oh lolo. Mec, ça me dépite. Ça me dépite. Attends, hop. Qu'est-ce que je pourrais dire? Attends, Julien, dis-moi des trucs à dire pour que tu fasses des vues, là. Eh, hey, les gars, j'ai même pas besoin de golem. Hop, voilà. Hop, ensuite, vous arrivez au 17ème étage. Je te promets, il filme, mais je vais me péter une barre en me réécoutant. Au 17ème étage, les gars. Attends, tu veux que je te montre sous le... Attends, je te montrerai après. Après, je vais juste changer de pseudo. Bon bah c'est Quentinut, voilà. T'inquiète, je couperai ça, t'inquiète. Okay. Non, je couperai pas. Okay. Hop, vous arrivez ici, vous mettez courant ascendant. Voilà, ça remplace le golem, ça fait 18 000 de damage. Donc pour les mobs qui sont très nuls, c'est parfait. Vous savez, moi j'aime bien les noirs, j'ai un pote, il est noir, il s'appelle Jean. Hop. Il fait des bons couscous. Hop, vous mettez Jean, ici. Si tu passes par là un jour, sache que ben, je t'aime bien. Et je sais que depuis longtemps tu m'as dit que tu voulais gagner de la thune. Et sache que je serai toujours là pour les 25% que tu m'as promis quand tu deviendras célèbre. Oui, parce c'est que, vrai. Ben, un jour, tu sais, je vais être dans la merde financièrement. Et j'aurai besoin de toi. Même si t'es plus mon pote, tu vas me donner cette. Ouais, ferme ta gueule au bout d'un moment. Parce que, ouais, c'est bien aussi. Il est chiant lui.
Il est grand con lui. Hop. Voilà, désolé pour le dérangement les gars, c'est un noob qui parlait. Ouais, il a pas de thune, enfin la seule thune qu'il avait, il l'a dépensé pour... Hop, vous arrivez ici, courant ascendant. Hop, voilà, vous écoutez pas votre pote hein, les gars, c'est... Voilà, vous tuez le boss. Enfin le boss, non, c'est une vieille merde, hein, mais... Vas-y, tu peux parler Mathéo, t'inquiète, je t'écoute. Tu disais quoi? Donc vous mettez ici et vous spammez parce que sinon vous allez mourir, hein, vous êtes nul, très nul. Pardon. Hop, vous rushez ici, 18ème Echa. Ah putain! Mon accent, il revient. Pardon. Non, t'as pas d'accent frérot. Hop, vous revenez ici. Hop, 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 18ème étage, c'est très simple. Pas besoin de forcer, pas besoin de golem, ça se passe très très bien. Ensuite ici, bon, là c'est l'une des maps les plus compliquées, étage compliqué. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de witch, et en fait il va falloir dépop tout ça très très vite. Hop, vous dépop. On met le petit totem défensif. Ah, elle m'a fait tomber la witch. Donc vous arrivez ici, voilà, vous tapez, vous attendez les mobs, il n'y a pas de souci. Hop, vous attendez les petits bébés zombies de merde. Donc ensuite ici, le slime va bloquer les ennemis, donc vous pouvez taper. La witch va vous jeter, vous arrivez, vous mettez totem ascendant. Ensuite vous mettez totem défensif, vous healez. Hop, petite armure, voilà, vous prenez l'ombre. Voilà, il n'y a pas de souci, vous attendez que votre truc se régène. Hop, voilà. On vient one shot le slime. Hop, voilà, c'est pas un one shot, mais bon. Hop, merde. Hop, je me suis trompé, désolé. Hop, 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 courant ascendant pour pas se faire chier. De toute façon, c'est la fin. Et voilà, on a fini. Oh, il y a un mob là-bas. Ok, pourquoi pas. Hop, et on le haise un petit coup. Et voilà, on est au 20ème étage. 20ème étage, on prend un point de compétence. Oh, c'est casse-couille là. Bon, hop, vous prenez ici, vous prenez les abeilles. Ici, vous spammez. Donc, ça va être. Hop, vous spammez. Et pas besoin de golem ici. Ouais, vas-y, tu peux parler, mon ref. Y'a pas de soucis. Je voulais dire. Parce que du coup, j'ai payé pour une formation. Ouais. Mais ça fait un an que j'attends quoi. Et du coup, je voudrais savoir c'est quand tu me coaches, c'est chiant. Ouais, il faut que tu repayes à l'année et je m'occuperai de ton cas. Ouais, mais c'est pas comme ça de base sur le site. Eh, écoute-moi bien, d'accord? Putain, c'est... je dois travailler comme une femme, je dois faire le ménage là. Voilà, donc voilà. Hop, vous rushez ici, y'a pas de soucis les gars, vous perdez aucun HP. Ce qui me fume, c'est que je reste premier degré, il arrive pas à rire. Hop. Hop, voilà. Non, non, il est trop concentré, mais après, crois-moi, il va bien se péter une barre. Hop, vous arrivez ici, étage 20, c'est fini. Normalement, il y a un mob au-dessus, voilà, il est là. Petit mob, hop, voilà. Bon, hop. En vrai, les gars. Je vais aller hop. Laver ma chambre. Ouais, parce qu'elle pue sa mère en fait. Il vit dans de la merde. Il y a des champignons tout partout à de ses jambes. Voilà, c'est une grosse merde. Hop, voilà. Vous arrivez ici, étage 21. Très simple. Courant ascendant pour les creepers. Voilà, il n'y a pas de souci. Eh, les vidéos les plus drôles, c'est quand je suis là, c'est bizarre. Hop. Vous arrivez ici, courant ascendant. Julien il avait fait une vidéo de Mathéo, je sais même pas. Non, c'était avec Jim Chief, je crois. Et genre, en gros, il avait fait quoi? Il a fait une vidéo. sur un site de cul. Et je crois qu'elle est encore sur YouTube la vidéo. Ouais, c'est marrant. Vous arrivez ici. Waouh. Hop. Oh la clim, tu bâtard que je me Hop. Hop, vous arrivez ici. Bah, je sais pas où il est parti le mob. Oh là là.
droite, ok. Étage 22, on prend un point de compétence. Hop, on prend. Attends, je mets sur mon sperme parce que là. Ah, waouh! On arrive ici, étage 22, très très simple, les gars, basique. Hop, courant ascendant, on se fait pas chier avec les petits éleveurs fiches. Mais comment ton gameplay, toi, au lieu de rigoler, fils de pute? Petit totem défensif. Hop, voilà. On parle pas beaucoup. Hop, voilà. Courant ascendant, très très simple. On élimine les araignées qui peuvent gâcher une game. Hop, on va chercher le petit squelette tout en bas parce que... Ah non, c'est des silverfish carrément. Ils ont fui la bataille. Ils assument pas comme les noirs en 1940. Je sais plus c'était quoi. Ouais. Merci pour la date, Mathéo. C'est... Tu t'y connais vraiment, toi, en esclavage, vu que t'en es un. Voilà. Hop, non, on arrive non, ici. Non, on arrive ici. On défonce, courant ascendant. Pff, voilà, y'a rien de con. Eh hey, les gars, franchement, si vous perdez ne serait-ce qu'une vie. Pff, oh lolo, eh hey, je peux. Payer 50 balles parce que les gars, franchement, c'est grave. Hein. Hop. Moi par contre, j'ai payé 100 euros, c'est bizarre, non? Ah, mais après. Pourquoi j'ai payé 2 fois plus et j'ai quand même pas eu ma formation? Parce que c'est 4 fois minimum pour être bon. Faut que payer 4 fois. Julien, ton cousin, il va regarder ta vidéo ou pas? Ouais, ouais, sûrement. 11 000. T'es une belle merde. On dirait un enfant. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Bah, okay. En vrai, mais c'est bon, j'en ai marre, je me suis vraiment chié. Hop. Bon, on est bientôt au boss final, les gars. Donc, il n'y a pas de soucis. Ici, courant ascendant. Voilà. Les gars, eh, stressez pas, franchement. Non, bon, chill. Les gars, je vais après. Quoi? Okay. Hop, on a failli mourir, mais c'est mon skill qui parle actuellement. Hop, petit courant ascendant. Hop, on étourdit les ennemis grâce à la boule de neige. On fait ça, on fait ça. Oh là, j'ai failli mourir. Ah bah, je suis mort. Bon, les gars, vas-y, j'arrête la vidéo. Il y a un bug, je bug. Il fait mal quoi, le capteur. Dégage toi, sale pute, va niquer ta mère la pute, va, sale bâtard. On va crever, on va te crever. Oui. Oui. Les gars, vous mettez. Bon, désolé, j'ai eu un bug, je suis mort en fait. Je vais faire une coupure, les gars, vous inquiétez pas. Hop. Donc vous arrivez ici, voilà, vous tuez les squelettes. Hop, petite flèche. Ah, oula, j'ai failli mourir, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est bon, je suis pas mort. Hop, et c'est finito. Ils sont où les petits squelettes de merde qui restent là? On dirait des anorexiques, ça me fait penser à des gens. Hop, vous arrivez ici, cassez. Hop. Oh, le mec qui mange. Hop, vous arrivez ici. C'est qui, mec? Pu. Bah, ah, Quentin. Oh. Hop, vous arrivez ici. Oh, on l'a pas perdu. Ok, donc les gars, on arrive au boss. Donc là, franchement, stressez pas. Cool, Raoul. Hop, vous arrivez ici. Donc attention, faites bien attention, les gars. On n'a pas de golem, donc personne ne pourra prendre l'aggro à votre place. Donc esquivez bien parce que bon, bah, j'imagine que vous êtes des merdes si vous regardez cette vidéo, mais bon. Hop, voilà. Courant ascendant qui fait très très mal. Petite arbalète. Wesh, il touche pas. Ah, c'est bon. Wesh, ça touche pas. Wesh. Ah, c'est bon. Ensuite, vous arrivez ici. Courant ascendant. Oh là, j'ai failli mourir. Hop, petit. Oh là, j'ai failli mourir. Hop. Hop. Y'a pas de soucis. Y'a pas chouchi. Comme les Chinois là. Hop. Ouais, c'est moi, tu l'as fait la blague. Ta gueule, toi, gros juif. Mm. Hop, et voilà. Voilà, les gars, c'est les 25e étage. C'est les 25 étages de la tour de Minecraft Dungeon. C'était très simple. Bon, malgré mon bug.
Donc on a une arbalète rapide en récompense qui est éclatée au sol, les gars, prenez pas ça. Arcabule éclatée au sol, ne prenez pas ça. Et l'armure qui est éclatée au sol, putain de merde, fils de pute, d'enculé, t'es mort. C'est quoi ce jeu de merde? Putain, bon, je suis obligé de la prendre, les gars. Donc voilà, je fais un don d'une armure pour les noobs qui sont abonnés à ma licence train.co.minecraftdungeon. Donc voilà, Mathéo, je vais lui offrir une armure, du coup, vu qu'il s'est abonné en dernier. Je me suis vraiment abonné en premier. Hop là, donc on a une armure 158 pour Mathéo, donc ça fait plaisir. Est-ce que t'es content? Ouais, enfin si je la reçois quoi, enfin ça fait quand même un an que tu me dis ça. Non mais là tu vas l'avoir là. Bon bah c'est cool. Mais y'a pas ravitaillement, ça te dérange pas? Si. Ok, bah je vais la donner à Soul. Soul, Soul, toi qui n'es même pas abonné, je vais t'offrir le don d'un mec qui a payé une licence. Ok, il est pas là. Bon bah je la garde. Ciao les noobs de YouTube.